Salut les passionnés, j'espère que vous allez pour le mieux. Bienvenue pour ce quatrième et dernier épisode pour la Laponie. J'espère que cette série vous a plu. J'ai bien constaté que ça attirait quand même un petit peu moins que ce que vous avez l'habitude de voir. Je le regrette parce que c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps et d'énergie pour vous faire cette, je pense, une de mes vidéos les plus abouties. Voilà, c'était pour moi en tout cas une expérience extraordinaire. J'espère avoir réussi auprès de certains, auprès des plus curieux, à vous donner cette envie, ce rêve d'aller un jour découvrir ce voyage. J'en profite également pour vous dire, vous avez vu derrière, c'est bientôt Noël, tout le monde le sait. Je regardais un petit peu le calendrier et je peux vous garantir les envois sur la boutique Rêve de Chasse pour Noël, a priori, sauf erreur de la poste et délai exceptionnellement tardif. Si vous avez fini vos commandes pour le 18, normalement ça devrait arriver sans souci pour Noël. C'est aussi possible le 19 et le 20, mais voilà, il y aura moins de garanties. Moi je le fais tous les jours, je vous les envoie tous les jours, mais des fois la poste est un petit peu plus longuette. Voilà, donc il y a encore temps, si vous le souhaitez, de faire vos petites emplettes. Vous avez vu qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur le site de Rêve de Chasse et de quoi faire des heureux. Merci également aux membres, hein, je le répète à chaque fois, on approche les 150, donc voilà, j'en suis ravi, merci à eux. Et puis voilà, je vous souhaite un très très bon dernier épisode. Merci encore à Arnaud d'Instinct Sauvage pour cette magnifique découverte et ce séjour incroyable. Je vous souhaite tous un jour de vivre des instants pareils. Bonne vidéo. Et dernier jour les amis, on est dans la voiture direction un nouveau coin, donc je pense que vous êtes au courant maintenant qu'on a réussi à faire mon grand tétra, mon objectif numéro 1 du séjour. Donc on est très très content, on a passé une bonne soirée et maintenant donc c'est le dernier jour, on va essayer de faire quand même un petit tétra si c'est possible, si on y arrive ce serait cool. Donc voilà, objectif du jour. Si, si, il y a tout. On the left one and the left on the right one. And on the left side, down. Ah, yeah, okay. The one that just flight a bit? No, on the right. So the one very on the left, top left? Yeah. This is the main? Yeah. Okay. It's going to be hard to get close to it. Yeah. Because we had scared them once. Wait, yeah, get rid of this. Femelles qui sont sur l'arbre qu'on suit depuis tout à l'heure, et en fait derrière, ah merde, he just went out, he just flight, yeah. Shit, bon mais il s'est barré. T'as vu Arnaud, les femelles elles partent pas, elles sont toujours là. Hop, ça y est. See the tail? Yeah. The tail is going back. On females it's shorter tail. Il y en a deux trois mais des femelles apparemment. Ah yeah. D'oiseaux. Hein? Yeah, okay. Oh, on the right.
À mon avis, on s'arrêtera pas. Oh putain, j'ai réussi. Ça fait 4 jours que je m'entraîne. Quand tu fais une trajectoire tout droit, dans des traces, de lever un pied pour en sortir et pas prendre l'arbre qui est en face, je suis content. Sinon, c'est casse-gueule. Eh merde! Bon, let's go. Moi, je sens bien, je suis confiant. J'ai reniveau! Attends, j'y vais! This looks like much more the ski we are used to. Si vous rentrez dans ces traces. Mais un truc de fou, on est en train de passer là. Et plaf, il y a un mâle de tétralyre qui décolle. Mais dans la poudreuse en fait, elle est partie bien. En fait, ils font des trous pour être à l'abri, parce qu'il fait plus chaud au final sous la neige. Et du coup, ils s'enfoncent comme ça. Ils font un premier trou, puis là, c'est de là où il est sorti. Ah, ça surprend hein, quand on passe pas loin. Qu'on a l'impression qu'il n'y a rien à des kilomètres à la ronde, et d'un coup... À 3-4 mètres, il y a un oiseau qui décolle de la poudreuse. C'est vraiment ouf. C'est vraiment des animaux fantastiques, des oiseaux incroyables. Super adaptés à leur environnement, c'est magique. Ah, on dirait que Joachim a repéré un mâle. If you go about 35 meters, what which distance it's middle? 150. But I know at 200 I have 7 centimeters. But after it's a bit. Do you think we can get a bit closer? Yeah, but not that close, because if you go, it would disappear behind the trees. So if you go, I think you have to shoot on 200 maybe. Okay.
Yes! Touch it, huh? Nice. Got it, huh? Yes, you got it. Think so. Look, another one. This one, female. Another one, female. I think I touched it, but it fall down, not like the other one, not full. Not really properly, maybe. Come. We're good. That one. I hope. Il tombe pas comme l'autre quoi, il fait pas Ouais. J'ai tout de suite pensé qu'il avait touché, mais il tombe vite quoi, il descend vite, il s'envole pas quoi. Pas comme une pierre quoi. Ouais. Pas comme une pierre. But you've seen the because I don't find it fall down like a stone like yesterday, but you I think it did. Okay. Okay, we'll see. Dead. Yeah, I think so, but I will not say 100%, but I think so. Putain, c'était bon ça. You get it? Ah! I wasn't sure at all. Hein? Ah. Of course, the footage yesterday, the one I shot was like a stone and fell down. I was sure, 100%, but this one. Yes. Where it is? Oh, another one. Just fly, fly from the left. Yes. Maybe I should take it by the fifth foot. Yeah. Yes. Very nice. Oh, the heat is perfect on the wing. Right there, so I think the yeah, it's very good. Very good. Very good. Perfect. It's wonderful, really. It's a big one. Yeah. It's an old. We found it! Hola! You think it's an old one or? Yeah. It's very nice. Super les amis, je suis trop content. Magnifique oiseau. Bien sûr plus petit que le grand tétra, mais purée, superbe. Les mêmes pattes. Il est magnifique, hein. C'est un vieux encore. Only shot two shots. He won yesterday with the big mare, the capicali, and now with the Ur, Sheda, and Ur. Yes. Coming. That's so bad. Yes. Let's take a few pictures now. Thanks. Tak. Nice. Good shoot. Thank you.
Bon bah Arnaud, merci beaucoup, je commence par les remerciements parce que j'ai vécu vraiment, je pense que ça se verra évidemment à l'image, on a vécu des scènes de fou, des émotions de taré. Donc déjà avant de te remercier au final, je te remercie d'abord maintenant parce que c'était vraiment pour moi un voyage extraordinaire, c'était du gibier de rêve. Ça fait des années que je pensais à faire ce voyage-là et tu me l'as permis et on l'a fait de la plus belle des façons, donc déjà merci. On arrive donc là, on a fait 5 jours de chasse, hein, c'est ça ? C'est ça. 5 jours de chasse ensemble. Ressenti 8. Ouais, ressenti 8, forcément. On a eu des petits aléas météorologiques, ça c'est des choses qu'on peut pas planifier, mais malgré tout on est sortis tous les jours, on a essayé, évidemment quand il y a plus ou moins de vent, les conditions de température, etc. changeaient un petit peu, mais on a toujours réussi à avoir des bons moments. Comment t'as trouvé toi le séjour personnellement ? Bah moi ça correspondait vraiment à ce que j'ai envie de proposer, c'est-à-dire des voyages hyper authentiques avec du gibier sauvage. En plus du gibier ici, c'est vraiment du gibier prestigieux. Les grands tétras et les petits tétras sont des oiseaux extraordinaires. J'ai toujours eu le sentiment que la chasse était belle quand elle était un peu difficile. Quand le gibier se mérite, c'est ça, c'est pour moi les plus beaux souvenirs. Bon là, on a été assez gâtés de ce côté-là. La météo nous a pas aidés, comme tu disais tout à l'heure. Ça a compliqué un petit peu les choses. Mais au final, on a réussi quand même à obtenir à chacun les oiseaux qu'on a. On était quatre chasseurs, on a tous fait nos oiseaux, on a tous réussi à être mis dans des conditions de tir idéales, avec à chaque fois des histoires différentes. C'était vraiment magnifique. Comme tu dis, effectivement, ça se mérite. Il n'y en a pas à toutes les cimes d'arbres, et tant mieux. Et c'est vraiment... On a bien ressenti aussi l'évolution au fur et à mesure du séjour. On a progressé à ski. On a progressé aussi dans le repérage des oiseaux. On commençait à bien identifier les mâles, les femelles, etc. C'était vraiment génial. On a fait quelques belles chutes aussi. Je pense qu'il y aura forcément un moment dans la vidéo où on les verra, que ce soit l'un ou l'autre. Des fois en même temps, ce qui était plus dur pour se sortir. Mais voilà, c'était vraiment excellent. En tout cas, on rigole bien, on est bien accueillis, on a bien mangé. On a mangé beaucoup, je ne sais pas si j'ai suffisamment filmé, mais on a eu beaucoup de gibier à table. Donc on a mangé beaucoup de grands tétras et d'élans. C'était vraiment terrible aussi. Ça fait partie pour moi aussi des voyages et du dépaysement complètement. Et de la curiosité cinégétique et gustative. Tout était réuni. Puis forcément, c'est des paysans, comme tu disais, d'un point de vue des paysages, du climat, c'est vraiment top. Et puis chasser à ski, c'est assez unique. Il n'y a pratiquement aucune autre chasse dans le monde qui se fait à ski. Et ça rajoute un peu, peut-être, de complexité à la chasse. Mais en même temps, ça donne son caractère exceptionnel. Ouais, je suis d'accord. Avec quelque chose, une difficulté technique à surmonter aussi, parce qu'il faut un petit peu d'apprentissage. C'est du ski de fond, on n'est pas habitué en fait. La plupart des gens, je crois qu'on n'est pas trop habitué. Un challenge de plus, surmonter. Ouais, c'est ça. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment le challenge, le fait que ce soit un gibier compliqué, mythique, très vigilant. C'est un mélange de sport et d'approche en fait. On a fait plein de fois des approches comme on peut faire l'été au brocard. C'est du biathlon. C'est du biathlon, t'as raison. C'est vraiment formidable. Moi personnellement, je garde ça vraiment comme une expérience unique. Je suis éreinté, entre content que ça se finisse parce qu'on a réussi à faire nos oiseaux. Et on est quand même éreinté par 4 à 5 jours, 5 jours de ski où on a fait quand même pas mal de kilomètres. Et donc on se sent vraiment comblé, musculairement parlant et aussi d'un point de vue émotion. Alors, en fait, c'est ce que j'aime apporter aux chasseurs globetrotteurs, c'est ces voyages très riches, comme on vient de vivre, où à la fois on voyage, on voit du pays, on rencontre des gens différents, avec des cultures différentes, on va goûter une cuisine différente, on va chasser un gibier différent, on a un climat différent, enfin, tout est varié. Les amis ont pu faire des choses en plus de la chasse, telles que le balade en chien de traîneau, telles que les sorties en motoneige. C'est vraiment un voyage très riche. La pêche sous la glace aussi, juste à côté. La pêche sous la glace, t'as raison, voilà. Encore une chose en plus. Bref, je crois que c'était... Tu peux accueillir jusqu'à combien ? Ouais, tu peux accueillir jusqu'à combien de personnes quand tu fais un voyage de ce style-là ? Alors, l'idéal, c'est de bloquer le chalet. Et pour ça, dans le chalet, on peut être 8.
Ceux qui veulent venir seuls, ils peuvent venir. On peut toujours les joindre à des groupes existants, mais on peut rencontrer des gens d'autres pays, pourquoi pas. Voilà. Mais on peut venir, même seul, on peut venir. On peut venir seul ou avec une bande de potes. C'est encore mieux. Voilà. C'est comme ça que ça se vit, la chasse. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, dans l'Est, j'ai certaines parts de chasse qui sont largement plus chères qu'un voyage de chasse comme ça. Au final, on a vécu pour 5 jours avec les copains. Franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est des souvenirs qui resteront, à mon avis, beaucoup plus longtemps que ce qu'on a l'habitude de faire dans nos pays. Donc moi aussi, c'était tout ce que j'aime, ce voyage. Je me suis vraiment régalé. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux que je laisse tes coordonnées? S'il y en a qui souhaitent faire le même voyage, vivre la même aventure, si ça vous botte avec 2-3 potes ou tout seul, parce que voilà, on s'en fait. Moi, je les connaissais pas. On a bien sympathisé avec les 3 autres chasseurs. C'était vraiment cool. Donc, qui me contacte volontiers, je ferais plaisir à les conseiller parce que il y a toujours une adéquation entre les attentes et le produit. Je tiens à écouter les gens sur leurs besoins et les conseiller au mieux. Peut-être que ça ne sera pas celle-ci de chasse qu'il faudra faire en fonction de leur capacité physique, en fonction de leur souhait, je ne sais pas. Enfin voilà, j'accorde pas mal d'importance à ça. Mais c'est vrai, nous, c'est parce qu'on a. C'est marrant que tu le dises ça parce que c'est exactement ce qu'on a fait ensemble. On a passé des heures au téléphone. Bon, je ne vais pas que les mecs t'appellent pour raconter toute leur vie. Pendant des heures. Mais c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps au téléphone. On s'est rendu compte qu'on avait des points en commun et des valeurs et des attentes communes en matière de voyage de chasse. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est construit. Et ça, je trouve ça vraiment génial, le côté humain aussi. T'as pas démérité du tout parce que t'as tout fait pour qu'on ait des bonnes images. Tu m'as suivi, t'as porté pas mal de matos, caméras, etc. J'ai vraiment beaucoup sollicité. Et puis j'ai vu que tu prenais aussi beaucoup de plaisir parce que lorsqu'il y a un succès de chasse, c'est vraiment une des émotions à partager. Bien sûr, c'est génial. Et t'étais autant content que moi à plein de moments. Donc c'était. Pour moi, c'était génial. Vraiment, merci encore. Ravi d'avoir partagé ça avec toi, Philippe. Puis j'espère que ça vous a plu. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, c'est un voyage vraiment atypique. Si un jour ça vous botte avec vos potes et que vous avez vraiment envie d'avoir ce gibier mythique mérité dans des conditions physiques assez uniques, et ben voilà, c'est The Voyage. Merci. Allez, merci à bientôt. À bientôt. Quand tu veux. Bon ben... Non, déjà ça commence pas comme ça. Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Larieux, je tiens une armurerie dans le Gers. En tout cas, c'est vrai que ça fait un peu... Très formel. Bon, je me présente, je m'appelle Robert Patulacci. C'est ça. Et je suis ici avec 2 ou 3 amis avec qui j'avais déjà des... Attends, parce qu'en plus j'ai pas tout ça, ouais. Oh non, c'est tout le temps comme ça, t'inquiète pas. Et quand tu bafouilles, tu recommences tout? Bah, je bafouille pas, je suis youtubeur. D'accord. Je bafouille pas, j'étais à l'école. Bon, je pensais pas. Ouais. C'était naturel, c'était cool. Bon, on mettra pas tout, mais. Ah, ça filmait pas. Donc, si ça vous botte de partir, n'hésitez surtout pas. Et là, j'ai pas filmé. Putain de merde! Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur « Rejoindre ». Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.